Bonjour à tous, Jean-Pascal Darrier, donc je suis le directeur général de l'IDEC. Écoutez, toutes les équipes de l'IDEC et ses sous-traitants aujourd'hui sont très fiers de vous présenter la finalisation de trois beaux projets emblématiques de la lutte contre le risque d'inondation. Nous avons présenté le grossissement du collecteur de Lure. C'est un nouveau collecteur, donc un collecteur qui est en amélioration de capacité le long de la trémie des Almohades, qui va permettre de désenclaver du risque d'inondation le boulevard Mohamed V et également la place des Nations Unies qui ont été dans le passé soumis à des risques d'inondation que chacun a encore en tête. Nous avons également présenté la galerie de stockage et d'évacuation des eaux pluviales sous la RN1. C'est une galerie qui a vocation à protéger des risques d'inondation l'entrée sud de Casablanca, la zone Lissasfa, la zone Ayassani. C'est une galerie de plus de 3 km de long, de à peu près 3 mètres de diamètre, qui se raccorde au système, au super collecteur ouest, et qui va donc évacuer toute cette eau pour éviter qu'elle stagne et qu'elle inonde la zone liée autour de la RN1. Et puis, dernier projet, un projet que vous allez vous-même découvrir, qui est sous nos pieds, à 40 mètres de profondeur. Ça consiste à la réalisation d'1,4 km de galeries qui ont un diamètre d'à peu près 4 mètres, c'est-à-dire pourraient quasiment accueillir un métro, pour vous donner une idée des proportions, qui vont piéger 14 000 mètres cubes d'eau pluviale et éviter donc le risque d'inondation en surface, là où nous avons dans cette zone constaté dans le passé des inondations de caves ou même de locaux ou d'espaces de vie au niveau du rez-de-chaussée. Donc c'est important, chacun a en tête la rue 37 et ces inondations répétées. Eh bien, ce qui a été mis en place va permettre de lutter contre ce risque et d'améliorer la qualité de vie et de confort des riverains et des citoyens. Et pour toutes les équipes de l'IDEC, pour les 800 ouvriers et cadres qui se sont mobilisés pour réaliser ces opérations, c'est une fierté et une contribution à l'amélioration de la qualité de vie. On peut dire, monsieur le directeur, que Casablanca est protégée des inondations en Maghreb. Vous savez, Casablanca est une grande collectivité qui croit en permanence. Et donc le travail que nous faisons, c'est un travail qui se continue en permanence. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui contribue à protéger les zones que je vous ai citées. Le travail doit se poursuivre avec la mobilisation toujours de nouvelles capacités de financement pour aller au plus près de la réalisation des schémas directeurs en assainissement. Et c'est un travail de longue haleine qui doit se poursuivre. Vous pouvez dire un petit message aux citoyens Casablanca. Écoutez, nous sommes très fiers de contribuer à la lutte contre les inondations. Le travail va se poursuivre pour que le Grand Casablanca soit équipé au mieux pour lutter contre les risques d'inondation. Et vous pouvez compter sur l'engagement des 3200 collaborateurs de l'IDEC et de ses sous-traitants et de ses fournisseurs pour y contribuer aujourd'hui, demain et après-demain. Assalamu alaikum, Marwa Hakam, مدير الأشغال في l'IDEC. Donc, هذه مناسبة باش قدمنا لكم l'état d'avancement ديال واحد ثلاثة مشاريع مهمة في إطار لحد من فيضانات المستوى الدار البيضاء. المشروع الأول تهم المنطقة الشرقية للدار البيضاء في حي الصدري والمناطق المجاورة لها. المشروع الثاني يهم المنطقة الغربية للدار البيضاء بشكل دقيق، هو منطقة حي حسني مع لساسفة
وعلى مستوى الطريق الوطني رقم واحد. والمشروع الثالث يهم المنطقة ديال سونتر فيل والكارتير ديكو ديال كازا، يعني الشارع محمد الخامس والناسيونز يوني وشارع الموحدين، دونك عن طريق تقوية الكوليكتور ديال ديليو اللي هو بالمناسبة ان دي زونسيان كوليكتور ديال في الدار البيضاء. وهذا المشروع تمت ديال ديليو رونفورسمون ديال كوليكتور ديليو الى ايتي رياليزي اون باراليل ولا بتنسيق مع مشروع ديال تهيئة التخميز الموحد. دونك بالنسبة للمشاريع الثلاثة هما بالنسبة للمشروع الحي الصدري ومشروع ديال الكالغي دي زوبليفيال او نيفو ديال لاغوت ناسيون نيميرو لي تادافونسمون. كالغي حي الصدري وديلوغ وكوليكتور ديلوغ هما الاشغال انتهت ودارت ميزون سيرفيس. بهذا المناسبة راه ديلوغ خدم في داني ايبيزود بلي فيو اللي عرفتها الدار البيضاء في بداية السنة. بالنسبه للكوليكتور ديال او نيفو ديال الحي حسني على مستوى الطريق رقم وطني رقم واحد هو في وصل الاشغال وصل واحد المرحله جد متقدمه، يعني فايته 95% وغادي ان شاء الله تنتهي في اواخر الشهر ان شاء الله الجاري. وهما غادي يكونوا ثلاثه واجدين ان شاء الله بالنسبه للبروشين سيزون بلوفيال. الغلاف المالي اجمالي لهاد ثلاثه المشاريع تيناس تقريبا 668 مليون درهم تي تي سي. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.